À Saint-Paul-lès-Dax, la politique sportive est l'un des axes majeurs de l'action municipale et la plaine des sports installée entre la RD 824 et le chemin du golf en est un exemple concret. Bien que ces travaux soient toujours en cours, le complexe commence à prendre forme. Découvrez l'avancement du chantier en vous glissant avec nous sous les futures tribunes et au bord des terrains qui commencent déjà à verdir à moins de 6 mois de l'inauguration. Après plusieurs années de réflexion, la plaine des sports de Saint-Paul-lès-Dax sort de terre pour la plus grande satisfaction des élus ayant porté le projet. C'est un projet dont nous sommes fiers, nous les élus de Saint-Paul. Madame le maire et les élus ont souhaité mettre ce projet en avant par rapport à l'arrivée du nouveau collège qui a été construit, on le sait, à Aurus, et par rapport aussi au SPS Foot de Saint-Paul qui était amputé de 2 terrains. Donc la réflexion a été de longue date. Mais cette réflexion, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes assez fiers de ce projet qui voit le jour ici, sur la route de Magès. Le club de football Saint-Paul Sport prendra donc ses quartiers au sein de cette plaine des sports qui s'étend sur 9 hectares. Cette plaine des sports est composée de 2 bâtiments, un bâtiment principal, tribune, qui comptera 500 places assises et 4 vestiaires. Et qui desservira exclusivement le terrain d'honneur. On y trouve également un bâtiment annexe qui sera utilisé surtout pour les entraînements et qui est composé de 6 vestiaires joueurs, 3 vestiaires arbitres et de locaux de rangement. Au niveau des terrains, 2 terrains de grand jeu en gazon naturel, 1 terrain synthétique, puis après un demi-terrain en gazon naturel pour les moins de 13 ans et un terrain multi-activité ceinturé d'une piste d'athlétisme qui sera ouvert à tous. Ce complexe sportif permettra d'accueillir aussi bien des compétitions de foot que de rugby. Il offrera aussi la possibilité à chacun de profiter d'une partie des installations. Il était important de mélanger les activités. Activités, je veux dire, familiales et activités sportives de club. Voilà, donc ce projet, on l'a dessiné en 2 temps. Donc effectivement, une partie sport pour tous et une partie club. On a voulu réellement créer des espaces pour les pratiques informelles, pour les pratiques familiales, parce qu'il est vrai que souvent dans les villes, les terrains sont clos, fermés, donc les gens n'ont pas accès aux structures sportives avec leurs enfants. Donc il était important pour nous d'avoir des parcours pédestres et des terrains ouverts aux familles. En plus de cette plaine des sports, des chemins pédestres ou cyclables reliant le lac de Christus au complexe sportif ont été créés, le tout dans un souci de préservation de l'environnement. On a pu voir au cours de la visite tout l'aspect préservation du ruisseau de Gouaillard et tout le soin qu'a apporté la ville à travers ses pontons de bois, ses chemins pédestres pour qu'ils respectent ses intérêts environnementaux. Et de l'autre côté, par rapport à la voirie, on a fait des études d'éclairage pour que les mâts ne viennent pas perturber les automobilistes. On a toute une stratégie végétale qui va être développée parce qu'effectivement, là aujourd'hui, on voit la route, mais bon, la nature va prendre ses droits, les plantations vont pousser et on a développé toute une stratégie pour intégrer ce site dans son environnement au mieux. Et c'est vrai que ça a été un grand enjeu tout au long du projet et je pense qu'au final ça fera un très bon rendu. Un rendu à découvrir à l'issue des travaux prévus fin novembre.